Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Moi ce matin je force, hein. Je ne suis pas trop bien. C'est aujourd'hui que mon neveu devait avoir 21 ans, Xavier, que vous connaissez tous, hein. Mon fils que j'ai perdu est atteint de la drépanocytose. Donc c'est aujourd'hui qu'il devait avoir 21 ans. Donc c'est pas une très bonne journée, très très bonne journée pour moi. Mais comme on dit toujours, laissez qu'il repose en paix. Qu'il repose vraiment en paix, que le Seigneur reste auprès de lui. Merci pour les étoiles, ma belle. Merci, mon bébé d'amour. Merci, que le Seigneur bénisse tes poches. Que notre porte-monnaie ne soit jamais vide, que ce soit toujours plein, 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 plein. On va venir chercher notre colis ensemble. Je pense qu'il faut déjà de l'huile dans la voiture ici. Comment commence à devenir un peu dur. Tu viens avec moi? On fait ça à mon colis. C'est maigre. Vous connaissez non, le maigre. Dans ma colis. Oh boy, tu fais comment? On fait comment alors? Je sens qu'elle veut quitter Rouen pour aller m'installer à Bordeaux, hein, parce que ma mère est à côté. On attend décembre passé pour voir si on part ou on ne part pas. Parce qu'à un moment, il y a une chose comme ça. Je sens qu'elle va aller rester à côté de la matière. Comme ça, elle s'occupe un peu de moi. Parce que moi, j'ai besoin d'elle. De temps en temps, j'ai besoin que la matière s'occupe un peu de moi aussi. J'ai besoin de faire le bébé. Hein? Vous aimez ça? Petite Noé. Elle a grandi, hein? Vous avez vu comment votre fille a grandi? Elle a bien grandi. Ouvre, ouvre, Linon. Ouvre, chérie. Nous sommes à la poste. On vient chercher. Doucement. Enfin, elle a une force quand même, elle ne maîtrise pas qu'elle est trop forte. On va prendre la vie de passage. Et je pense la pièce d'un pied avec. Une pièce d'un thé. Oh, tu me gâtes, hein? Tu me gâtes avec les étoiles là. Oui, Noël. Oui, c'est le cadeau de Noël. Tu me gâtes avec les étoiles. C'est ma pièce santé. Sans occuper tous. Ah, c'est notre colline. Oh. Tu me gâtes. Oh. Merci, t'es gentil. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonjour. Merci. Tu me gâtes. Tu me gâtes. T'es gentil, ça. Sois bénie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ouais. Merci. C'est moi. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bon, on va aller l'ouvrir dans la voiture. Mais tout le monde, le petit là me regardait déjà, il regardait ma fille. Doucement, mon bébé, doucement. Oh! Est-ce que c'est la dame? Daniel. Oh!
ça quand tu as une adresse en France. Quand tu n'as pas d'adresse, hein, tu fais comment? Quand tu as une adresse, c'est bon. On peut te gâter. Oh, les étoiles, ça monte. Ça monte. Merci. Oh, monte de l'autre côté. Tu vas salir tes gants là, toi. Vas-y. Comment elle a mis les bottes, comment elle se vante. Elle a mis les bottes. Elle se vante, elle est contente mal. Elle dit qu'elle a mis les mêmes bottes que moi. Les talons alors rien. Les grosses voitures. Bon, on va mettre ça comme ça. Et on va ouvrir notre colis. On garde d'abord la pièce dentée. Les Njunjou ont essayé de me toucher parce que je n'étais pas protégée. Ouais, non. Parce qu'ils sont venus, ils sont tombés malades. Les Njunjou ont essayé de me brutaliser au corps parce que je n'avais pas ma protection. Ma protection est arrivée. Que les Njunjou là viennent encore. Mon nom est écrit en gros caractère. Maléba. Maléba perturbe. Maléba têtu. C'est ça que mes tatas de Facebook là me disent toujours. Elles disent toujours que toi l'enfant, si tu es têtu, quand je vais t'arrêter, je vais te bastonner. Et maman là, elles disent que je les donne pour le travail. Quand je vais t'arrêter, je vais te bastonner, ma fille. Il dit non, maman, ma tata a laissé. De temps en temps, on ne va pas toujours pleurer aussi. Hein. On ne va pas toujours pleurer. On ne va pas toujours pleurer, pleurer, pleurer. Donc tout, c'est parti. Ma bosse. Ma bosse l'a dit. Tu ne peux pas me donner ce qui est moins cher. Pourquoi tu me donnes ce qui est cher? Benjoundjouf. Benjoundjouf. Les Njunjou ont voulu me déranger le corps. Benjoundjou. Benjoundjou, les Njunjou voulaient entrer dans mon corps. Ils sont quand même entrés. Hein. J'ai fait 4 jours couché sans manger rien. Pas d'appétit, fatigué. Oh, ma bosse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je remercie le Seigneur. Voilà pour moi. Allez faire comme moi, allez acheter. En plus, vous avez un rabais. Allez-y vite. Courez. Courez, allez chercher. Ça, je vous ai dit que je suis votre garantie. Je suis votre garantie. Et j'aurai besoin de votre témoignage après. Donc, on va organiser un direct avec ma bosse. Vous allez appeler, poser vos questions par rapport au glutathione. Je dis bien, il y a glutathione et glutathione. Ça fait 20 ans d'expérience. Sans inquiétude. Voilà ça. Faites comme moi. Allez. Allez chercher pour vous. Allez-y. J'ai eu des appels aujourd'hui. 2 personnes qui m'ont appelé pour demander comment on fait pour commander. Elle n'a pas dit de commander chez moi. Si vous venez par rapport à moi, vous avez des remises. Donc, il y a des personnes qui m'ont appelé pour demander qu'elles font, ils font comment pour cotiser chez, pour commander chez moi. Donc, allez sur la page de Glutaline. Vous aurez toutes les informations. Et sur ma page aussi, vous aurez toutes les informations. Voilà. Voici pour moi que je suis venu chercher. Je vais passer des belles fêtes. Merci encore ma bosse. Merci beaucoup. Merci à toi ma bosse. Là je recommence mon rituel. Ma fille Nicole, bonjour. Comment tu vas ma belle? Comment va Marie? Bien Marie, bonjour de ma part. Bien Marie, que le pape bénisse sa journée. Je suis avec Noé ici. Nous sommes rendus là. Tout ce qu'on devait faire avec la pluie, là, on peut rien faire, là. Il pleut ici. Si chez nous, il pleut. Vous me voyez sortir, je ne fais que foncer. Nora. Vous me voyez
voyais, tu me vois sortir, tu fonces. Tout ça, tu veux la place. Oh. Franchement. Moi, j'ai déjà ma part. Oh, j'ai ma part de Glita Tune. Glita Glita, merci beaucoup. J'ai acheté les carottes, moi. J'ai acheté les carottes. Moi, je mange des carottes comme ça. Hein. Mon mari, parfois, que je fais comme une femme enceinte. Je peux faire une semaine, je mange seulement les carottes. Les carottes crues. Il paraît que c'est aussi bon. Comme on a dit que l'ondiance rend fou là, donc mieux. Je prends moi mon Glita Tune pour que ça ne me rende pas folle. Vous voyez non? Mieux, je prends moi mon. Moi, je prends moi mon Glita Tune pour ne pas être folle. Parce que je n'ai pas envie d'arrêter l'ondiance. Vous voyez non? Moi, je n'ai pas envie d'arrêter l'ondiance. Je vous dis la vérité. J'aime les teintes qui. Même si ce n'est pas trop. Moi, je suis la qualité que. Comme les gars qui aiment les tatous, les gars qui aiment les piercings, moi c'est l'ondiance, j'adore l'ondiance. Donc, pour que ça ne me rende pas teubeux, que ça ne me rende pas folle, je m'abonne au Glita parce que j'ai le stress oxydatif. J'ai le stress oxydatif, oh, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, stress oxydatif. Ajouter à la folie, ce n'est pas bon. Mieux, pardon. Allez, go take, je vais prendre les carottes. Mais c'est les jus là que ma bosse sont là qui ne peut pas moi boire. Ya. Les jus. Donc, j'ai le stress oxydatif. Voilà. Parce que quand tu mets les crèmes éclaircissantes comme moi là, un moment même, avec l'âge, l'ondiance dit que ça ne prend plus. Donc, il faut essayer de booster. Hein, booster. Donc, ça t'ouvre les pores. Oui, c'est ça. Si c'était que l'ondiance, si c'était que le Glita Tune la faisait éclaircir, j'ai suivi une vidéo d'une dame là qui disait que c'est ça qui fait quoi. J'ai dit que si ça faisait éclaircir, c'est que je suis quand je suis rentré du Cameroun, je suis métisse. Parce que ma boss, ce qui est bien, c'est qu'elle-même, elle consomme le Glita Tune, hein, beaucoup. Hein. Donc ce qu'elle fait, c'est que le matin, quand elle se lève là, parfois j'entends le matin comment est-ce que. La porte de sa chambre s'ouvre. J'entends le bruit là-bas, là, peut-être 6 heures comme ça. Là. Après, je n'entends plus le bruit. C'est qu'elle est partie boire et rentrer dormir. Si elle voit qu'elle ne suis pas levée, elle me cogne que va te voir boire. Donc, vrai, l'affaire là, non. C'est que je suis tombé malade quand j'étais au pays là. Je n'ai pas eu mal à la tête, même pas. Je dormais dans la clim. Je me réveillais dans la clim. Donc, là maintenant, là. Oh! Le goût de ça. Je vais économiser ça jusqu'à. Je vais économiser ça. Je vais boire. Je bois la semaine. Si la semaine prochaine, je ne bois pas. Bon, je tiens à préciser. Les personnes qui achètent en liquide là. Celles qui prennent en liquide. Sachez que quand tu as ouvert le bouchon là. Quand tu as ouvert le bouchon, ça se conserve au frais. Hein. D'accord? Ça se conserve au frais. Quand tu ouvres le bouchon. Dès que tu ouvres ça, tu bois là, tu dois le garder au frais. D'accord? N'oubliez pas, il faut le garder toujours au frais, ça ne se conserve pas. Donc le genre que tu as ouvert comme ça là, comme le sirop de la toux là, non, tu mets à côté, il faut mettre toujours au frais, dans le frigo. Ouais, tu me gâtes avec les étoiles aujourd'hui. Oh. Merci. Oh. On a les fêtes hier. Je vous ai dit ce que je vais préparer. Tout ça alors, je suis seul. Je sais qu'au menu, il y a la sole brisée, les gambas. Je pense un peu de ndoulé. Le porc brisé. Mais qui va manger tout ça? Parce que les filles, elles vont prendre les pilons, les ailes de poulet, ce sont des nourritures. Ouh! Mais, que le Seigneur te bénisse abondamment. J'ai ramené les gambas du pays, donc c'est ce que les filles vont manger. On a fait le sapin. Nous sommes là, on attend maintenant qu'un petit dos entre là. Dès qu'un petit agent entre là. Il m'a contacté le Père Noël. Le Père Noël. Pas contacté, pas voir le Père Noël. Noël a demandé la maison de quoi? La maison de Barbie. Les poupées LOL. La pâte à modeler.
Tu as compris ce que ton enfant a demandé? Tata a dit qu'elle vient te voir en juin, bébé. Tata a dit qu'elle vient te voir en juin. Tu vas partir avec elle? Je vais te dire. Avec moi aussi? Oh, c'est gentil, mon enfant. T'es gentil, toi. T'es très gentil. T'es gentil. C'est l'anniversaire de Xavier aujourd'hui. Mon fils. Mon fils devait avoir 21 ans. La mauvaise maladie, là. La grippano. Ça l'a amené. Ça l'a amené au... Moi-même, là, maintenant, j'ai besoin, j'avais vraiment besoin du glutathion. Avec le froid qu'il y a maintenant, là, les articulations commençaient à me faire bien mal. Je suis resté 4 jours couché là. Bien malade. Vous avez vu que même les joues ont baissé, non? Les joues ont baissé. Même les joues ont baissé, je vous jure. Ça m'a menacé. Ça m'a bien menacé. Mais là, ça va déjà, ça va vraiment. Là, je vais prendre les carottes. Faire la sole brisée au moelle, les pilons de poulet, les pilons, parce que les gars ne mangent pas, les filles, elles ne mangent pas, mes filles. Canel, elle sait pas encore si elle va venir parce que, comme il y a, elle travaille ce jour-là, il est train, tout ça là. Donc, je vais faire le porc brisé avec les frites de banane. Bobolo et peut-être l'igname. J'aime pas trop l'igname. Peut-être le manioc pour manger avec le ndolé. Je vais faire le ndolé morue. La morue que ma mère prestige, la classe m'a gardée, venue tout droit de l'Angleterre. Voilà, donc je vais faire ça avec ndolé royal là. Crevettes, morue, viande. Et puis je fais aussi. Les gambas que j'ai ramené, je vais faire les gambas. Une petite entrée. Hein. Franchement, c'est juste pour Noël. Hein. Personne ne mange ça. Personne ne mange. Il y a qui va manger? Il n'y a personne qui va manger. Donc, nous ne sommes pas les... Et c'est pas une grosse mangeuse. Donc, j'espère que toutes les personnes que je voulais qui viennent fêter avec moi, Nicole ne peut pas parce que on s'est prise tard. Nicole ne peut pas. Donc, je serai seulement avec mes enfants là. Je serai seulement avec les filles. Il pleut ici. Maman la patronne, on ouvre la portière. Je voulais partir enlever la perruque. Nous, regarde comment tu touches là-bas, ça te salit les trucs. Tu peux entrer là-bas, tu te mouilles pas trop. Comme nous, elle a porté les bouts comme moi. Elle est contente, elle dit maman. Mais elle savait la. Moi, j'ai porté le pantalon, elle a porté avec la jupe. Ah, ça mène. Mon fiston, mon bébé d'amour. Et à ta soeur. Elle a porté les bottes, elle est contente. Elle a porté les bottes comme moi. Moi aussi j'ai porté les bottes. Est-ce que les chiens font les chats? Les chiens ne font pas les chats, oh. Maman, elle a une deux places. Bon, elle dit sa sœur avec elle. Tu veux prendre ta... Oui, prends quand même, on ne sait jamais. Elle aime tirer les cadis là. Samedi, le vendredi, voilà, je peux aussi faire ça. Hein. Je peux ajouter les... Je peux ajouter ça. Les escargots là, en entrée. Hein. Ah, il y a les moules farcis là. Oh là là. Je peux ajouter ça dans mon menu. Hein. Bonjour. Waouh. Par contre, ça, moi, il ne choque pas ça. Ça, je n'aime pas. Les moules, les huîtres là.
pourrais prendre un petit paquet de 8 euros comme ça, mais je mange pas ça, moi. Je mange pas ça. Je mange ce qui est cuit. Voilà les Saint-Jacques. Voilà les Saint-Jacques. Saint-Jacques. Et Saint-Jacques, par contre, je mange. Moi, je ne passe à ma façon de manger. Tous les fruits. Ma boss m'a dit de consommer beaucoup de fruits. Elle m'a dit de manger beaucoup de fruits. Ah, voilà les carottes. Attends, je vais prendre le... Oui, Noé. Prends les carottes. Moi, je prends les grosses, là. Bébé. Ah. Je me lève le matin. Comme moi, je ne déjeune pas le matin. Je prends une carotte comme ça là. Je mange. Moi, je mange pas le matin. Je ne déjeune pas. Je prends une carotte, je mange. Ça me suffit. Parfois, le soir, quand ils sont couchés là, que je sommeille, ne vient pas. J'ai envie de grignoter. Je prends une carotte. Tiens, mets dans le sac, le caddie. Les pommes, je te prends les pommes. Ok, allons-y de l'autre côté. Mets dedans. Oui, non, je suis les pommes. En entrée même, je peux faire des avocats avec comment ça s'appelle là, avec les crevettes et les œufs. C'est ça qui va manger. C'est ça. Qui va manger? Les pommes que je prends ici là. C'est quand elle avait sa soeur que tu prends ça au goûter. Tiens, les celles là. Tiens. Viens là-bas. On se prend les clémentines. Est-ce qu'il y a des plantes? Et voilà les bananes. Je pourrais prendre ça. Je fais la banane malaxée. Les bananes, je fais la banane malaxée. Mais aujourd'hui, vrai, je n'ai pas envie moi de préparer. Ça, je suis là. C'est ma vie de dormir. Bien chérie, je vais prendre. Donc je prends les clémentines. Elle m'a demandé les fraises. C'est combien les fraises là? C'est combien ça là? Oh. Pas les fraises, Noé. Oui, les fraises. Tu veux ou pas? Oui. Noé dit qu'elle veut les fraises. Mets-le là-bas, mets-là-bas. C'est 15 euros, elle arrive à la caisse là. Arrive à la caisse, on dit que tu vas enlever. C'est 15 euros. La cacahuète, c'est un bien. La poule est dure. La poule est un peu dure.
Là, je prends les yeux petits là. C'est gros, mais la peau là est dure. C'est toi, heureux. La peau là est dure. J'aime quand la peau est. Moi aussi, je prends 4. C'est bon, Noé, allons. Sortons d'ici parce que. On peut nous envoyer en prison ici. Fuyons, fuyons vite. Elle est seulement fumée. Je suis la plus belle. Et toi aussi, tu es la plus belle. Viens, allô, sur la table. Bonjour. Allez, que quand je lui donne quelque chose, je suis la plus belle. Prends ça là aussi. Magné. Ça dépasse 15. Hey, ils sont. Rien que ça, ça demande 3 euros. 6 euros. Faut laisser là-bas le chariot. Laisse le chariot là-bas, Nino. Aller laver ton enfant. Elle a 10 frais. Il y a combien de frais? Elle a 10 frais. Il y en a 10? Je vois. 44. Merci à vous aussi. 10. Attends, je vais pouvoir si tu sais déjà compter jusqu'à 10. Je vois, viens. Viens. Je vais voir si mon enfant sait à compter jusqu'à 10. Demain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo Noé! Ah, on a passé à côté jusqu'à 10. Bravo princesse! C'est bien ça mon enfant. Quand on vous dit que l'école d'abord éduque aussi les enfants. Hein. L'école même éduque d'abord les enfants. Avant que nous même complète à la maison. Je vous jure. Noé compte jusqu'à 10. Bientôt Noé va commencer à lire les courriers pour moi. Benéo. Ninou, oui. Tu connais écrit A? Oui. Il y a A et puis quoi? B? B, C, D, E. Ah, mon bébé! Allons à la maison, je te fais un gros câlin. Oh, ma fille! Ma fille, c'est à lire l'alphabet. Que le Seigneur oui. Bénisse mon enfant. Les prières qu'elle fait sur toi, mon enfant, tu vas être quoi, avocate? Elle m'a, je lui ai demandé que. Hey! Benéo. Voilà mon enfant qui lit l'alphabet A, B, C. Et elle sait déjà aussi faire le chapelet, presque bon. Pas encore complètement, mais elle fait déjà « Je vous salue, Marie pleine de grâce ». Elle sait déjà. Oui, Oyanga, ma fille compte jusqu'à 10. Et elle sait réciter l'alphabet français. Wow! Mon bébé, tu me rends heureuse, tu vois ça? Oui. Oh, mon enfant, 5 ans, mon enfant. Attends, Ninou. Attends. Viens, viens. Montre les vieux WhatsApp. Viens, viens d'abord par ici. Viens, 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 viens. Laisse sortir. Mets-toi comme ça. Passe d'abord. Les vieux gens, ce sont souvent bizarres. Ils nous voient, c'est là qu'ils demandent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Viens monter, Noé. Ah. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Il
viens enlever ma joie, comme mon enfant. Mon enfant va commencer à lire mon courrier bientôt, il est là. Noé, oh, Noé, Noé. Bébé Noé va commencer à lire mon courrier. Venez, oh, il y a une bonne nouvelle. Oh là, l'alphabet français que mon enfant lit déjà. Oh, yengo! Allez dire au voisin que mon enfant lit déjà l'alphabet oh, à 5 ans. Seigneur, oh, elle a compté de 1 à 10 devant vous. Hey, hey. Elle m'a dit 10. J'ai dit que moi aussi, elle va voir ça. Je vous dis que la première éducation vient de l'école. Nous, on remplit seulement les formalités des règles. Dernièrement, moi, je lui dis souvent que. Elle me dit qu'il y a. Elle vient avec la saleté sur les cheveux. Je lui dis même, mais qu'est-ce qu'il y a que tout le temps tu reviens avec le bonnet, c'est sale. Elle me dit que c'est son camarade qui l'a poussé. Et moi, j'amenais tout le système qu'on te pousse, tu pousses, on te tape, tu tapes. Un jour, elle m'a raisonné, hein, maman. Là, elle me dit carrément qu'on n'a pas droit. Il dit qu'il n'y a pas droit. Hein? Qu'est-ce que tu me dis qu'on n'a pas droit? Donc, toi, tout le temps, on va te taper. Elle me dit non, on n'a pas droit. Je lui demande alors que quand l'enfant t'a poussé, qu'est-ce que toi tu as fait? Elle dit qu'elle a dit à la maîtresse. Et je demande qu'est-ce que la maîtresse a fait? Elle dit la maîtresse a dit que c'est pas gentil et la maîtresse a puni. Vous voyez comme l'enfant vient me dire que non, oh, votre éducation que au pays là, qu'on te dose, tu doses là. L'enfant te dit qu'on n'a pas droit. On te dit qu'à l'école on n'a pas droit. Mais il faut que je lui fasse comprendre que oui, tu n'as pas droit, mais quand c'est déjà, c'est, ça devient une habitude, il faudrait que tu te défendes aussi. À l'école on va lui dire qu'elle n'a pas droit, mais moi je vais lui dire un moment que il faudrait que tu te défends, parce que là cette année elle va aller en... tu sors avec une rage, un genre comment comme ça là, tu es trop pressé. Elle va aller chez les grands, donc c'est les mêmes enfants avec qui elle est là, avec qui on... La femme, si elle conduit, je ne sais pas comment est-ce qu'elle, ce qu'elle fait. Il y a le stop, là, elle ne s'arrête pas, elle part, elle est trop pressée, quoi. Wesh. Donc, vous savez que nous, là, tu me faisais à l'école, là, je t'attends vendredi soir. Mon bébé Christian de Monaco, je t'attends vendredi soir. Qui veut, il y avait toujours l'arbitre qui veut lutter ta. J'ai déjà mis la culotte en bas de la robe. J'ai plié la robe comme ça là. Dès qu'on dit qui veut lutter ta. Ouf, Maliba est positionné. Je vais te boxer. Te boxer. Elle était donc forte quand elle était petite. Parce que la force n'a pas encore revenu. Elle n'a pas garé, elle est garée derrière. Elle était forte, hein. Elle était jeune, moi était forte. Il bagarrait avec les garçons. Hein. Ma vieillesse là, qui est petit maladie, elle vient m'attraper maintenant. Les maladies bête là. C'est quand on perd, il y a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça te diminue les forces. On te perd déjà. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens qu'on opère, on ne leur vend pas au con. Moi, on ne peut pas me vendre au con. Donc tout ce qu'on veut faire, on va seulement retarder peut-être mon étoile, mais on ne peut même rien faire. Pas seulement aussi pour parler. On ne peut pas me vendre au con. Je ne peux pas travailler au con. Parce que je ne peux pas travailler dans les champs. À cause de nombreuses opérations, je ne peux pas. On ne peut pas me vendre. Donc, je me regarde pourquoi, vas-y. Dès que tu regardes à gauche, tu vois quelqu'un qui te fait les courses, chargé jusqu'à les sacs. Dexembre, si ne sent pas bon. Non. Dexembre, si là, ça ne sent pas bon. La crise, les gens ont les problèmes d'argent mal. C'est chaud.
Dexembre, si. C'est Maniaka. Dexembre, si, c'est très dur. Pas l'argent de... Nous sommes arrivés, Noé. Voilà. Bon, mes gens. J'avais un peu... ranger mes choses en haut là. On va mettre un peu la main là-bas, tu peux prendre le sac qui est en haut là, ou bien on va arrêter ça comme ça. Hein. Tu peux. Oh ma fille, tu es déjà serviable, demain. Merci. On en fait déjà fait. Tu as compté sur Noé. L'autre jour j'étais malade, c'est Noé qui m'a mis les chaussettes. Hein. Je vous jure. C'est Noé qui m'a mis les chaussettes. Elle peut déjà aller au frigo. Ce qui a sa taille là, je peux déjà l'envoyer, qu'elle va me chercher ça, elle va chercher. Hein. Sauf que bon, je ne peux pas encore l'envoyer en bas. Seul. Mais Noé, c'est viable maintenant. Bon, je vous embrasse, non? Gros bisous à tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.